Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sautez. J'ai un petit message à juste passer. Surtout des haineux, des gens qui disent qu'ils sont panafricains. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes en Europe, vous qui parlez matin, midi, soir, et soi-disant on est panafricain, panafricanisme panafricain. Voici une jeune dame que je vais vous montrer sa vidéo, où elle dit Lofi, en train de vraiment aider des gens qui veulent vraiment rentrer dans leur pays. Qui veut vraiment rentrer dans, vos, dans leur pays, dans leur propre pays. Pas pour dire non. Tellement que les blancs, surtout les français, sont gentils, sont généreux, connaissent les droits de l'homme. Eux ne savent pas comment toi tu as fait et puis tu es venu chez eux dans leur pays. Mais eux ne peuvent pas te prendre comme ça pour aller te jeter dans ton propre pays. Non. Si tu n'as pas fait des dégâts, on te laisse tranquille. Voici des gens qui disent qu'ils sont panafricains, ils disent à longueur de journée, matin, midi, soir. Ils allument les caméras, en train d'insulter le président de la République française, en train de dire de n'importe quoi, en train de traiter l'armée française dans les autres pays où se trouve, en train de traiter de n'importe quoi pour dire ceux qui sont là, pillés et ceux qui seront détruire l'Afrique. Or, oh, à ce temps, celui-là qui te parle, il est en Europe. Toi, Ivoirien, ou toi l'Africain, parce que aujourd'hui je vais parler en général. Je vais parler en général, pas, la, pas ivoirien seulement. L'Afrique, surtout l'Afrique, écoutez-moi très bien la jeunesse africaine. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je suis motivé à vous parler. Je pense qu'il y a d'autres qui ne vont pas aimer ma vidéo, mais il y a d'autres qui vont me comprendre et ils vont aimer ma vidéo. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Votre histoire de panafricanisme, maman, ça va où? Vous êtes en Europe. On dit, voici, Offie, oh là. Si tu veux te retourner, on te donne 2000 euros. Si tu as des enfants, tu as 4 enfants plus toi-même, vous êtes 5, on vous donne 10 000 euros. Et on paie vos billets d'avion et vous retournez dans vos propres pays. Chez nous ici, où eux, en Europe, on appelle ça OFI. Mais chez nous ici, dans les pays où on se trouve, en pays arabe, on appelle ça OIM. Tu peux te retourner tranquillement, paisiblement. Et on te fout de l'argent. La famille, écoutez-moi, la jeune soeur qui est en Europe, qui est en train d'expliquer aussi des situations des, des pauvres tarés qui disent qu'ils sont panafricains. Et je vois la jeunesse africaine qui sont là dans les, dans les maisons et ils font les commentaires de salauds. Oui, nous on est pas africains. Oui, on n'est pas africains. Mais ce métier dit, lutte pour la pour cette histoire de panafricanisme. Ils ne sont pas en Afrique. Ils sont en Europe. <laughs> la famille. Écoutez très bien la jeune dame. Et après, je vais rentrer dans le but de ce sujet. Je pense que ouvrez vos oreilles. Ça va rentrer. Il y a un caillou dans ton oreille. <laughs> bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'ai fait cette vidéo pour rajouter un petit truc. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup qui sont en France qui, qui n'ont pas, pas beaucoup d'informations. Voilà. C'est pour vous dire que l'OFI offre 2000 euros pour tout retour volontaire. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en France et qui trouvent que la France pille injustement l'Afrique, l'OFI offre 2000 euros. Tu peux rentrer dans ton pays. Pour tous ceux qui trouvent que l'argent de la CAF que la France donne, ce n'est pas suffisant. Parce que nos dirigeants donnent l'argent à la France. L'OFI offre of 2000 euros, tu peux retourner dans ton pays. Pour tous ceux qui ont leurs enfants, qui ont la nationalité française et qui vont à la préfecture, parents d'enfants français qui trouvent que ce n'est pas bien, l'OFI offre of 2000 euros, vous pouvez retourner dans vos pays. Pour tous ceux qui trouvent que Poutine a raison et que Poutine devrait bombarder la France, que les Français sont méchants, l'OFI offre of 2000 euros, vous pouvez retourner dans vos pays. Pour tous ceux qui ont, qui ont vidé la Méditerranée, qui ont nagé à la place des poissons, qui se sont retrouvés en France et qui se sont rendus compte que la France, ce n'est pas l'Eldorado, l'OFI offre deux mille euros. Pour tous ceux qui profitent du chômage, des droits de réfugiés politiques en France et qui s'asseyent en France pour piler les pouvoirs africains, l'OFI offre deux mille euros. Pour tous ceux qui se reconnaissent panafricains, après avoir obtenu la nationalité française pour eux et leurs enfants, l'offre offre 2000 euros. C'est-à-dire que les Français sont tellement gentils. Il ne te ramène pas dans ton pays comme ça. On dit que si tu détestes la France, tu es fatigué de la France. La France t'a humilié. La France pile l'Afrique. La France est à la base de tous les problèmes africains. Les Français disent tu appelles. Allô, Ophi, je suis fatigué, je veux rentrer dans mon pays. L'Ophi te donne 2000 euros cadeau et puis on paye ton billet d'avion et puis tu rentres. Donc imagine, toi plus tes 150 enfants que tu as fait en France, au lieu que la France va payer à l'occasion de ça là. On te donne 2000 euros pour toi, 2000 euros pour tes 5 enfants, ça fait 10 000 euros. Et tu rentres dans ton pays. Tu vois, non? Parce que ça ne sert à rien de rester dans un pays que tu n'aimes pas, comme je l'ai dit. Tu vois? Donc c'est à titre euh, d'information, quoi. Hein? Sauf so, moi, je suis bien en France. Et mes enfants sont français. Je suis bien. Je me sens bien ici. Hein? Bisous, hein? Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté. La jeune dame, c'est qui elle a dit. Je pense que on a tous écouté. Vous voyez, cette histoire des panafricanisme, moi quand je regarde et puis je, je regarde la manière de fonctionner, ça me fait rire. Ça me fait rire, hein? ça me fait pitié. Je me pose la question, est-ce que cela me fait un combat, même où les gars réfléchissent bien dedans tu dis tu n'aimes pas telle personne, tu ne l'aimes tu pas. Mais quand tu l'aimes pas là, il faut quitter le pays, quitter le village. Vous, vous détestez Macron, vous détestez l'armée française. Là. Mais pourquoi vous ne quittez pas la France Quittez la France. Parce que c'est ce Macron qui vous gouverne. C'est Macron qui vous gouverne. Quittez la France. Vous êtes en Europe. Matin, midi, soir, c'est vous êtes dans vos voitures. À bas panafricanisme. bas, panafricanisme. Oui, panafricanisme. Panafricanisme. Tu es fâché. Mais quitte le pays. Quitte le pays. Je vous dis souvent quand je suis là et puis il dit, mais est-ce que ceux qui disent panafricanisme que les blancs entre nous piller là Est-ce que vous avez une tête même pour réfléchir Tiens là, je déteste la France. La France même, oui. La France train de piller nos ressources. La France train de faire ceci. La France train de mélanger. La France, la France. Il se dit, Seigneur, on va où On dit, ouais, il Lofi l'OFI. de donner. Ceux qui veulent retour volontaire, venez. Il va vous donner 2000 euros. Vous voyez comment on vous dit les blancs sont pas ingrats comme vous. Les blancs sont pas ingrats comme l'homme noir. Peuple afrique. Si tout. Attendez, je vais mettre ça là d'abord. Là, voilà. Je vais me positionner puis arranger ma caméra. Voilà. Et je vais... <laughs> je vais parler au soi disant panafrica, excusez-moi pour les mamans, panafrica con là, je vais les parler excusez-moi pour le mot mais on doit se dire la vérité je vois des gens aujourd'hui je vous parle, moi je suis d'un pays maghreb je vois des gens matin, midi, soir qui, qui disent à l'Afrique la, abat les blancs, abat ceci, panafricanisme mais pourquoi vous dites vous êtes panafricain ou? Faites les vidéos pour aider la jeunesse africaine de rester chez eux là-bas. De rester chez eux. Les vidéos que vous véhiculez matin, midi, soir. Vos messages de haine qui, qui est rempli dans vos gueules, dans vos bouches là là-bas. Pourquoi vous ne, vous ne changez pas de posture, de dire que okay, oui, la jeunesse africaine est restée chez vous. Restez chez vous. Nous, là, on va vous, on va vous donner des idées. Et vous allez mettre ça en pratique pour travailler pour vous-même. Pourquoi vous ne dites pas ça pourquoi vous ne dites pas ça vous ne, vous ne lancez pas des messages. Mais à chaque fois, à chaque fois, vous, vous excitez la haine. Et des, des jeunes, quand ils voient ce qui se passe dans vos bouches et ce qu'ils attendent pour dire non, que oui, le site va devenir neuf. Le pays va brûler. Mais quand, quand, il, a, quand il a un peu d'argent, il préfère quitter ce pays. Aller te trouver où toi tu tiens là-bas et puis tu fais des vidéos là. Lui, il préfère aller te trouver là-bas. Ou elle aussi veut aller te trouver là-bas. Vous voyez comment je vous dis votre histoire de panafricanisme. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Vous dites on est panafricain. Mais quand on vous dit décortiquer l'histoire du panafricanisme. Que signifie panafricanisme. Vous ne savez même pas. Vous savez du quoi. Vous ne savez même pas. Vous savez du quoi. Peuple africain. Jeunesse africaine. Il est temps de se réveiller. Il est temps. Nous-mêmes, on va réfléchir. Ce pas des vieillards, des clochards, des vieillards qui sont en Europe là-bas, qui ont raté la vie, qui allument les, 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 les caméras à longueur du genou, qui sont en train de nous polier l'air, qui sont en train de mentir au cerveau des gens, qui disent qu'ils sont panafricains. Eux, ils, pan ils luttent pour les, pour les Africains. Eux, ne luttent pas pour les Africains. Eux, ils luttent pour eux-mêmes. Comment se nominer dans les postes là Eux, ils luttent pour eux-mêmes. Il n'y a pas un cyberactiviste qui dit des panafricanisme, va s'asseoir, il va faire au moins une heure du temps où il va parler. La jeunesse, restez chez vous. Parce qu'à chaque fois, on attend des jeunes, des jeunes, des jeunes gens qui meurent dans la mer Méditerranée. Des jeunes gens qui meurent au désert. Des jeunes gens qui sont emprisonnés dans les pays Maghreb, on les maltraite. Matin, midi, ils sont en Libye. On les maltraite. Jusqu'à même en à agir. Comment dirais-je les, les, les trucs là-même, où on dépasse là Parce que moi je n'ai jamais fait la route là. Euh, on dit quoi là-même Mauritanie, où on les matraite Où on les matraite Où les passeurs les matraite Souvent même d'autres sont emprisonnés, d'autres même dans le désert. Parlez de ça. Parlez de ça cette Afrique, surtout l'Afrique, à cette jeunesse là. Parlez de ça à cette jeunesse-là pour que au moins la jeunesse puisse dire Ah, ceux mêmes qui sont en Europe là-bas, ceux mêmes -là qui sont panafricains, regardez le message que les gars ont vécu. Mon frère, s'ils si gagnent un million, ils préfèrent investir. Vous parlez, non, on est panafricanisme, mais vous n'êtes pas prêts de dire à vos frères Si vous voulez quitter dans votre pays-là, s'il vous plaît, des grâces, ayez au même minimum des petits boulots. Ayez minimum des niveaux des petits boulots. Petit boulot, au moins ça quand ils viennent, on dit que tu as telle expérience, viens, on va te mettre là là Il y a des gens qui se lèvent, cette jeunesse, les gens se lèvent pour dire, il y a quelqu'un, il y a mon ami qui est là-bas, là. moi je m'en vais là-bas. Et c'est cette jeunesse-là qu'elles arrivent en Europe, c'est pas aller dormir, en bas du pont. C'est pas aller dormir, hein, sur le carton, c'est pas aller dormir, ah ça là vous êtes là, panafricanisme. Quelqu'un va prendre ses 3 millions, 4 millions. Il va aller traverser la même Méditerranée, désert, tout ça. Là. Il arrive là-bas. Voici le chômage qui vient de commencer comme ça. Mais ça là, ça là, votre histoire de panafricanisme, pourquoi vous ne parlez pas de ça Si tu n'aimes pas les Blancs et tu vois que les Blancs traitaient, te maltraités, les Blancs sont, font ça, les Blancs font ceci. On se dit, voici, l'office est là. Voici, l'office est là. Retourne-toi. Retourne-toi dans ton propre pays, ils vont te donner de l'argent. Regarde comment l'ingratitude des Africains, ils sont tarés, même. Sont là. Ils sont là. Et puis je vois les gens, ils les applaudissent. Oui, on est panafricain, on est souverain. On est souverain, on est souverain. Ah, de... <laughs> Oh, oh c'est Seigneur C'est mon Dieu. <laughs> Il y a les gens, vraiment les mémoires. Hein? Les, les mémoires partent en congé. Oui mais moi est parti en congé je peux pas je peux pas accepter puis je peux pas comprendre oui je peux pas accepter je peux pas comprendre quelqu'un qui a ses facultés en place tu vas t'élever comme ça traiter des blancs de n'importe quoi vous pensez que quand les blancs viennent chez vous ils font fisti -faiti. Les blancs ne viennent pas chez vous pour dire on va, on a, on a, on a nous, nous, on a armé que vous, on va prendre, on va confisquer vos trucs en brille, et puis on va les blancs ne font pas ça. Les blancs ne font pas ça, c'est vos dirigeants qui sont à la tête des voleurs, des bandes de voleurs, c'est eux qui sont bêtes. Sinon, en principe, regardez, regardez très bien, quelqu'un qui est venu au pouvoir pendant 15 années regardez 13 ans, regardez comment le pays était, le pays qui était dans le coma, il a réveillé ce pays, il a réveillé ce pays-là. Et après, il a soigné ce pays. Aujourd'hui, regardez le pays, le pays même sourit. C'est qui, qui fait ça? On appelle ça, lui-même son nom, c'est docteur. Hi le docteur, Hado, C'est lui qui fait ça. En 13 ans, regardez comment la Côte d'Ivoire est. Malgré, on a connu la guerre. 10 ans, 8 ans de guerre. Regardez comment c'est passé. Depuis 2002 jusqu'en 2010, 8 ans de guerre. Tout était détruit. Mais regardez comment il a fait. Et vous êtes là, vous le combattez. On n'aime pas. Oui, c'est un buvette. De, des, des bandes de salauds. Et tu vois. Et tu vois. Des gens même, tu peux. Des, regardez les Blancs. Comment les Blancs ont trouvé stratégie maintenant Les Blancs ont trouvé stratégie. Vous qui êtes en Europe. Ah, ma chérie. Viens. Ah, toi, tu es ma femme. Viens. Ah, attends, je descends là-bas. Je vais être enceinté. Il y a d'autres pleins ici, ici, dans les pays maghrébins. Il y a nos sœurs. Elles sont pleins comme ça. Elles sont enceintes. Elles sont enceintes, Plein, plein comme ça, parce qu'on on les a fait croire que si tu es enceinte, dès que tu es enceinte, tu rentres en Europe, tu accouches, on te, on te donne papier gratuit, on te donne papier facilement. Ce système-là, les blancs ont compris. Les blancs ont compris que ce système-là, c'est un système bidon. C'est un système qui, qui, regardez très bien, la personne qui dit j'ai mal là. Il peut faire un commentaire ici. Nos soeurs qui sont dans les pays maghrèbes, plein, 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 elles sont enceintes comme ça, pour, 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 avec les passeurs ou avec les individus mal intentionnés, enceintés. Ah, si tu arrives en Europe, tu accouches, l'enfant, tu as tes papiers, l'enfant a les papiers, toi, mais tu peux m'appeler, je vais rentrer, on, tu descends, on se marie. Vous voyez des choses comme cela. Mais vous êtes au courant de tout cela, dénoncez. Pour dire à vos frères, pour dire à vos soeurs, arrêtez de faire ça là, ici en Europe. Là. Tout est devenu compliqué. Avant même, à c'était pour dire non que oui, je vais me marier avec une femme blanche, avec ça, même si elle est grosse, elle est potelée, elle est ceci. Une fois qu'elle gagne les papiers, je vais la jeter. Les blancs ont compris ce système-là encore. Voici, ils ont serré vis encore. Vous voyez comment Vous êtes là. Vous ne pouvez pas donner des de, de, de bon, de bonnes idées. À vos frères de rester au pays, de faire ceci. Il y a des gens -mais qui n'ont pas d'expérience. Il y a des gens -mais qui ne savent même pas même ce qu'ils vont faire dans leur vie. Eux disent Je vais arriver en Europe d'abord. C'est qui Tu tombes dans ma main Je vais le faire. C'est ça, tu es dans la tête. Mais quand tu sors dans ton pays, tu vas aller dans un autre pays, là, mon frère, il faut avoir un objectif être déterminé pour dire Ça, ça, dès que j'arrive là, c'est ça là, je vais faire. Si ça ne me reçu pas, je sais que moi-même, si je suis la formation, je peux faire. Moi, en tout chose, quand je veux faire quelque chose, je veux suivre la formation d'abord. Et quand j'ai l'expérience de cette formation, je peux aller faire. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait beaucoup de boulot. Oui. J'ai fait beaucoup de boulot. Et où j'ai fait mes boulots, là, quand j'arrive là-bas, parce que pour nous, c'est matricule. J'ai fait beaucoup de boulot. Donc, j'ai l'expérience de beaucoup de choses que j'ai fait en Côte d'Ivoire. moi mais j'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé à la zone. Beaucoup. J'ai travaillé à la zone. J'ai travaillé Gandou, où on fait parfum. Parfum, c'est un truc là. Parfum. Avec euh, choses comme dirais les pommades. J'ai travaillé Gandou. Gandou, j'ai fait huit mois. Après Gandou, j'ai fait silepsy silepsy où on fabrique biscuit là. En Côte d'Ivoire, il y a un coin où on fabrique biscuit. On appelle ça silepsie. J'ai travaillé là-bas. J'ai fait un an. Solibra. Solibra, il fait trois mois. Ok? Sotassi. Sotassi, il fait, il fait une semaine. Là, je n'ai pas travaillé. Une semaine. Parce que où on m'a mis là-bas là? là. Sotassi où on fabrique pointe, euh, comment dirais-je, pointes limes, bourrettes, machettes, euh, les tolls où on fait les trucs de toll, tout ça, la toll. On ne fabrique pas ça ici. Toll, c'est les trucs qui sont tranchants. Et puis on modifie, voilà, c'est les dizaines, qu'on fait. Sinon, j'ai fait, là-bas, j'ai fait une semaine. Puis moi-même, j'ai arrêté. Dis non. Je vois des gens, les mains sont coupées, coupées, les trucs, les toits sont coupés, coupés. Dit, je ne peux pas faire ça. Ok. Et après, je suis allé où? Où on fait les, les, les trucs à les cuvettes Babo là. Les cuvettes babou J'ai fait deux mois. Et j'ai arrêté. C'est là où j'ai duré même. C'est où... Comment dirais-je Dali où on, fa... où on fait des mesh, des designs, des mèches là. Daline. Daline, si tu arrives, c'est là-bas. moi j'ai arrêté de travailler à la zone. Daline, si tu arrives là-bas. Si tu veux connaître mon vrai nom, ceux qui travaillent à Daline, demandez matricule. Matricule 1568, tu vas connaître mon vrai nom. Le 1568, c'est mon, mon numéro matricule de Rossi, tu es là. 1568. Là-bas, c'est matricule, c'est pas matricule, on connaît. 1568, c'est mon numéro matricule. À ce temps, il y avait un chef, on l'appelait Aka. Akala c'est un ami Aka. il s'appelait Monsieur Aka. c'est lui tu nous tu nous payais. et puis il y avait une fille il y avait une jeune fille qui était on dit elle était coréenne après ça il y avait les Libanais tout cela, j'ai travaillé partout là bas dans, dans, dans l'usine y a tout très, tellement que j'étais efficace j'ai beaucoup de l'expérience il y a beaucoup qu'on dit d'expérience à y en a. lavage auto je l'ai fait lavage auto moi je sais laver voiture après ça, quand j'ai arrêté tout ça, là, je me suis... Mon père m'a mis dans un système où je m'ai acheté les, les charbons en grossisse dans les autres villages. Là. Et je viens vendre, je peux payer le sac de charbon à 1500, souvent 1200. Et on met ça dans le camion. J'envoie ça en ville, à Bidjan. Je mets vend ça. Les femmes qui vendent les placali, dans les quartiers, souvent ils descendent à Djamé. Je vends ça. Quand je vends, je gagne un bénéfice dedans. Ce qui j'achète à 1500, ils peuvent vendre ça à 3000. Souvent 2500. Un sac. Vous savez combien de sacs et... Mais il y a des gens qui n'ont pas d'expérience, qui quittent dans les pays bougou, 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 qui ils viennent. À cause de quoi À cause de vous. Vous dormez dehors, vous dormez dans les... comme des cafards. Et vous êtes là matin-midi, soit vous allumez vos caméras. Oui, panafricaniste, oui, on est panafricain. On est panafricain, on est ceci, on est cela. Il y a des gens, même, on ne voit pas chez eux à la maison. Eux, toujours, c'est dans la voiture. Ils vont, tout, ils vont faire les vidéos. En Europe, là-bas, il y a des gens qui dorment dans la voiture. Hein, si vous ne savez pas, il <laughs> y a des gens qui dorment dans les voitures. Si vous ne savez pas, on vous informe. Arrêtez ça. On dit Oh, fille a besoin de vous. Si vous voulez rentrer, rentrez. Arrêtez de critiquer la France. Arrêtez de critiquer la France. Ou si vous êtes fatigué, ou si vous ne voulez pas venir chez vous. Hein, en, dans votre pays, en Afrique, là, aussi, voici Russie qui est là. Vous supportez Poutine, non? Mais prenez vos clics et clacs, vous allez partir là-bas. Vous allez partir là-bas en Russie. Arrêtez de vous. C'est L'Africain, souvent quand on te dit l'Afrique, tu réfléchis comme l'Africain, là, souvent c'est vrai. Hein? Souvent ça te fait mal, mais c'est vrai. Parce que tu peux pas, je ne peux pas accepter que et je ne peux pas comprendre que tu détestes quelqu'un. Tu le détestes et tu es chez lui. Ah! Tu le détestes et puis tu es chez lui. C'est l'Africain sur tu peux faire ça là. <laughs> C'est l'Africain seul. Tu peux faire ça. Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi l'Africain est si méchant? Hein? Ah bah. Oui, eh, la Russie, oui, la Russie, oui, la Russie, Vadney, oui, Vadney, oui, oui. Tu as le choix de chasser qui tu veux dans ton propre pays. Mais ne dis pas que oui, l'autre a chassé l'armée française chez eux et vous voulez que l'autre n'a qu'à chasser. Mais attendez, attendez. Nous, nos présidents, lui, l'élu, c'est nous, 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 c'est nous, on a voté pour lui. Il n'est pas venu par la violence. Si papa doit être venu dans, par, par la violence, là, vous allez voir. 2010, 2015, 2015, 2020, il a gagné. Pour vous montrer encore 2015, 2015 à 2020, regardez, 2020, il a gagné. Ça veut dire, là, la même, là, il ne sait pas, vous avez quel problème Vous avez quel problème Comment mais shit. <laughs> on parle anglais <laughs> on parle anglais <laughs> go yukatou <laughs> et anglais aussi c'est dur il eh. faut qu'il faut, faut il faut pas me blesser la langue pardon <laughs> et anglais, anglais 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 aussi anglais aussi oh, il fait parler anglais comment ça c'est la langue t'es dur comme ça You... <laughs> <You laughs> <You> voit déjà. <laughs> Et uh, savez, y a vous savez, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, je vais battre. C'est un cyberactiviste activiste du PPACI. Il est en, Il est aux États-Unis. Il s'appelle Herman. Il est dans les voitures. C'est lui qui traite nous les Nordistes, des sauvages. Mais il y a quelqu'un qui est rentré dans mon réseau et il m'a expliqué, c'est un escroc notoire, un bandit, quand il était en Côte d'Ivoire. Green Cat, on dit quoi là Green Cat l'a sauvé, il est rentré aux États-Unis. Tous ces papos, ça va être... <laughs> Seigneur, j'attends le moment. <laughs> il y a des gens ils pensent que quand tu finis dans ton passé, tu rattrapes. Et il est là. Quand il n'est pas, ils sont panafricains. Ils sont ceci, ils sont cela. J'ai ri. Et la jeunesse et la jeunesse africaine, s'il vous plaît. Je vous dis quelque chose, petite chose. Avant de quitter dans ton propre pays, avant de quitter dans ton propre pays, s'il te plaît des grâces, s'il te plaît des grâces, s'il te plaît. Au minimum, faut avoir l'expérience. Il Faut avoir l'expérience, faut avoir au moins, faut faut connaître quelque chose, parce qu'aujourd'hui tu peux venir dans le pays déjà et puis on te dit bon, tu es venu, tu es rentré dans notre pays, bon, tu sais faire quoi Toi tu sais faire quoi Tu es rentré dans notre pays, il fait chaud, il fait froid, hein? il fait froid mais Tu es rentré dans notre pays là, dis nous tu sais faire quoi Et tu es là et puis tu dis, non c'est qui vous me donnez là j'ai fait ah, c'est des paresseux. Tu Dis ça là, il faut quand tu veux quitter dans ton pays, dis-toi que oui, tu es un homme, tu es, même tu es une femme digne et tu es fier et tu connais comment tu vas t'en sortir. Arrêtez de venir dans le pays des gens, mendier, demander de l'argent, donnez moi un peu un sabre d'ail, un, sa, un, peu, un peu. Plein, plein dans les pays maghrébins, là, plein nos jeunes frères demandent, demandent comme ça. Il dit. Un jour vous allez voir, je vais des passages et je vais filmer plein, plein de nationalités qui sont au feu, qui sont en train de demander de l'argent comme ça. D'autres maisons les deux enfants sont, elles sont là comme ça, elles sont là, elles les enfants, elles les enfants sont là. Tu vas nouveau né même est là et puis demander de l'argent. Hé à cause de quoi l'Europe? Avant d'aller à l'Europe, on va t'enceinter d'abord. Hé, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs. Quitter dans ça. Les Blancs ont changé de stratégie maintenant. Les Blancs ne sont plus dedans. Ou tu, au début, quand tu arrives, tu dis non que oui, on dit asile. Oui, asile politique. Maintenant, on dit euh, ça, ça ne marche plus. On dit maintenant, pourquoi tu es venu ici? L'autre dit non que oui. Eh, on dit mariage forcé. Eh, L'histoire des mariages forcés, là, les blancs viennent, ils, ils, ont, ils ont déjà compris. Ceux qui ont eu les papiers là, auparavant, là, eux, ils sont déjà sauvés. Mais toi, maintenant, tu, hein, tu dis mariage forcé là, mon frère, ça ne prend plus de des deux, où on dit, non, qu'on dit, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont me circoncerter. Donc c'est pour cela. Ça là, le système, ça ne marche plus. <laughs> il dit, il ne pas dévoiler les secrets. Il y a beaucoup de qui ne marchent plus. Donc changer. <laughs> c'est ça là, on doit dire à nos frères. C'est ça là, on doit dire à nos frères. Si vous arrivez en Europe, mon frère, ce que tu faisais dans ton propre pays, il faut dire je veux aller suivre la formation. Mais si tu Moi, ce qui me plaît chez les blancs, les blancs n'est pas comme les Africains. Le blanc, tu n'es pas là à l'école, tu, tu es là à l'école. Si tu veux faire quelque chose, on te dit voici la formation que tu peux faire. Et puis tu t'en suivre la forme, Mais si c'est six mois. Nous, les noms, on n'est pas patients. Dès que tu arrives en, en Europe, Inoka te dit oui. Quand il y a petit truc, Inoka te dit dans la famille, c'est toi, tu es là en, en Europe, tu vas envoyer 50 euros, 100 euros, 50, 40 euros. Quand tu arrives en Europe, vous les panafricanistes là, vous ne parlez pas de ça à vos frères. Vous ne parlez pas de ça à vos soeurs. Quand vous arrivez là-bas, il là, y a moins de choses à chercher. Cherchez très bien. Allez suivre la formation. Si, si c'est pour aller apprendre la langue là, prends ton temps. Va apprendre la langue. Ne dis pas que oui, il y a ton frère, il y a ton ami qui est en, Europe, qui est en France là-bas. Tu as quitté Espagne, ou tu as quitté l'Italie pour aller là-bas. Mon frère. <laughs> Où tu t'en es là? là? Est-ce que tu vas, tu, tu peux t'en sortir? Où tu t'en là-bas, là? Tu peux t'en sortir? Tu as devenu bébé sitter. C'est toi qui as surveillé les enfants. Jusqu'à quand les enfants vont grandir, c'est là qu'ils vont te dire: Ah, maintenant tu as duré ici. Hein. On fait comment? Il faut, faut te chercher à faire quelque chose. C'est là maintenant que ton agrébat va commencer. <laughs> c'est là que ça va commencer. C'est là que tu as dit: Oh, roulou. oh roulou. la guerre commence. <laughs> c'est là maintenant que la guerre va commencer, là-bas. C'est ça. On doit se dire, dit moi je suis là-haut. Les informations que vous allez me donner, vous qui êtes en Europe là, donnez-moi les informations. Et je vais venir étaler ça. Je vais venir étaler ça pour qu'on puisse sauver nos petits frères. Nos petits frères, nos petits-enfants, vos petits-enfants. Moi, je n'ai pas encore eu petits-enfants, mais très bientôt, je pense que dans quelques années, il peut y avoir petits-enfants. Voilà. Mais nos enfants, vous mais vos petits-enfants qui sont en Europe là, et qui sont au pays là. Moi, par pas canal ça, là, moi, je vais les le dire, fais très attention. Fais très attention, l'Europe là, ce n'est pas paradis système. Tu peux être dans ton propre pays et puis tu peux t'en sortir. Il y a des gens qui vont dire, mais toi, mais tu dis ça là, tu fais quoi au Maroc ici Ou tu fais quoi dans les pays maghreb ici Vous ne savez pas ce que je fais ici Vous ne savez pas. Je vous explique. Chacun trace son destin. Chacun trace son destin. Si vous êtes fatigué de l'Europe, ne gâtez pas des choses. Laissez quitter, rentrez. La jeunesse aussi va venir prendre le relais. Mais vous, gâtez. T'es un maquille d'Africain. Oh, oh Seigneur. La famille, je vais m'arrêter là, là. Les soi-disant panafricanisme. Vous avez compris? Donc arrêtez votre histoire de panafricanisme. On n'aime pas la France. On est ceci, on est cela. Si tu es fâché, quitte. La France va en Afrique. En Afrique, ils vont te donner 2000 euros même. Même ton agent même peut être rempli même. Tu vas mettre ça, tu vas transférer ça même. Quand même, ils vont te donner 2000 euros. Voilà, ils vont payer ton transport, tout ça là. Et voilà. Si tu veux plus même là... Voyez, Poutine, tu es tout près là. Va aller là. Faut aller là-bas. Là. Des bandes de plaisantaires comme ça. Moi <laughs> oh, aussi, là. Moi oh, aussi, quand ils parlent comme ça là. Il y quelqu'un qui a mis répondre. Hey Hé! Dans ces jours-là, là. là, 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 là. Un activiste qui me répondre. Mmh. Même un blogueur qui me répondre. Je est au courant. Mais les blogueurs ne sont pas prêts pour sensibiliser. ils sont là seulement parler matin, midi, soir. Oui, oui, oui. Eux, oui. ils attendent seulement à la fin. Facebook vont les payer. C'est ça seulement qui est dans les têtes. Ah, moi, ils parlent. Facebook vont, vont me payer. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour aider la jeunesse. Est-ce que moi aussi, les papas, vous voyez des gens qui réfléchissent comme ça Non. Quand tu vois que la jeunesse sûre, toi, ce que tu dois faire, c'est pour les sensibiliser. Il ne faudrait pas que les gens tombent en embuscade. C'est ça. Dieu t'a donné la grâce de venir passer les messages. Toi aussi, aide tes, tes frères et soeurs. Bon, la famille, je vais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, euh, si vous voulez me contacter, si, euh, si vous voulez me contacter, mon Messenger truc là, ma page Messenger, vous pouvez m'envoyer un message. Je réponds 24 sur 24. Voilà. Donc euh, je suis là. Et je vous dis à très bientôt. Et ceux aussi ceux qui cherchent mon numéro WhatsApp, vous pouvez aller. Il y a des vidéos anciennes vidéos anciennes vidéos vous pouvez trouver mais à mon numéro WhatsApp là-bas. <laughs> mais les vidéos de maintenant parce que quand je mettais mon numéro les gars me donnaient migraine à chaque arrêt chaque seconde on m'appelait donc j'ai arrêté d'enlever j'ai même arrêté de mettre mon numéro si mes vidéos ouais. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.